salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de notre incroyable aventure sur Resident Evil 2, toujours avec Claire Redfield, épisode 6.5, parce que c'est l'histoire alternative, enfin c'est le parallèle, c'est ce qui se passe pendant que Leon est en train de vagabonder évidemment. Et eh ben on était prêt à réveiller la bête, hein. On était prêt à réveiller la bête qui s'appelle T00, Mister X, appelez-le comme vous voulez les gars. Quoi qu'il arrive, c'est parti, on va le faire. Et on avait trouvé d'ailleurs deux plantes vertes en bas. Bon, on va les prendre hein, les gars, on va pas se mentir, on va totalement les prendre. Ne vous inquiétez pas, normalement j'ai prévu de quoi me régaler. Donc on va pas activer tout de suite ce bordel. On va éteindre le feu avant cela. Et après, on va courir tour de l'horloge pour récupérer le mécanisme. Et on doit revenir ici, sachant que la tour de l'horloge est à l'autre bout, si vous vous en souvenez. Et ça, c'est plutôt terrible. Donc, c'est parti. Voilà, hop. Et normalement, si je fais combiner, eh bien, on est bon. On est bon, on est bon. J'ai vraiment plus de place, là. Ah, c'est terrible. C'est terrible, j'ai plus de place. Jamais de place, c'est dingue. Ah, on s'amuse pas, là. On s'amuse pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à la... Oh, non, ça m'embête. Ah, bah, quoi? Oh, non. Oh non! Oh non! Ah, attends. Je peux peut-être faire un truc intelligent. Votre inventaire est là. Ok, c'est tout de suite. On va fermer sa gueule très rapidement. C'est parti! Je vais pas gâcher une plante, hein, les gars. Je vais pas acheter une plante. Ça serait un petit peu bête. C'est des allers-retours, hein. C'est des allers-retours. Mais de toute façon, là, en vrai, ok, j'ai un inventaire plein. Mais les gars, j'ai que des clés sur moi. Hein. Ça ne sert à rien. Là, je suis le passe-partout, frère. Je suis le passe-partout du commissariat de Raccoon City. Mais je ne sers à rien. Je. Voilà, premier ennemi que je croise, je me chie dessus. Parce que je suis inutile. Je ne peux pas me défendre concrètement. Et ça, c'est plutôt terrible. Donc, ça, ça dégage. J'ai, voilà, j'ai ça, je me suis créé ça pour le plaisir. J'ai une grenade et ça s'arrête là, les gars. C'est en vrai, qu'est-ce que je fasse là? Rien à faire, rien à faire. On va réveiller l'autre zigoto là, qui était... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout dans ce putain d'hélicoptère? Le gars, c'est lui qui a dévié l'hélicoptère. Il a dit, je vais aller au commissariat, frère. Je vais m'occuper de la petite Claire. Et ça, c'est assez terrible. Hop, c'est pas du tout par ici. Hop, désolé de vous déranger, monsieur, je ne voulais pas. Là n'était point mon projet. Donc c'est parti, on redescend, on récupère les balles de pistolet, on recharge son pistolet, direction tour de l'horloge avec ce monsieur qui va nous suivre pour clairement nous faire du mal. Voilà, tout ça pourquoi? Voilà, hop, plus de balles, hein, ça dégage. On active, c'est parti. C'est parti, vas-y, pompe-moi ça, Claire. Ok. On va y aller, on va pas regarder ça, hein, c'est pas... Ouais, bah ouais frère. Bah ouais frère. Reste où t'es. Reste où t'es, hein, elle a dit hein. Reste où t'es, elle a dit hein. Ma soeur, tu sais contre quoi on se bat? Ça va gros? Vas-y viens là, vide ma mère. Je rigole. Hop, allez, on est reparti. Allez, salut mon pote. Oh, y'avait un truc, c'était quoi? Oh, une plante rose, hein. Bah les couilles. Bah les couilles. Ok, ça c'est chiant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Attends, je rigole. Oh, putain, il me met en pression. Il me met en pression. 6 gauche, 2 droite, 6 de 11. Ok. 6, 6, 2, 11. Je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Tout a changé là-dedans. Oh. Je prends frère. Ok. Yes, trop bien. J'ai un plus grand chargeur. Mais j'ai pas de balles. Allez, salut mon pote. Ok. Bon, très très bien, très très bien. Ah oui, putain, pour aller à la tour de l'horloge, il me faut le cric. Oh là là. Oh là là, catastrophe. Qu'est-ce que je fais? Quel est mon but? Où vais-je? Bibliothèque. En vrai, je peux faire ce qu'on appelle le coup de Trafalgar. Bibliothèque, salon, bim, bam, buanderie. Hop, ça chicote. Davin chicote. Ok, très bien. C'est parti. Direction la bibliothèque. En passant... Non, non. Si, direction la bibliothèque. Ensuite, c'est le salon. Il me fait moins peur. Il me fait moins peur. Hein. Là, clairement... Oh, putain, peur. What? Tu fais quoi dans les escaliers, gros? Explique. Ok.
Bon bah ça c'est fort chiant. Dis-moi que c'est... j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Merci de me l'avoir dit. Ça fait plaisir. Très bien. Ok, qu'est-ce qu'on a? Je vais le laisser ici. Qu'est-ce qu'on a? Oh yes. Ok. Examiner. Bon. Allez, c'est parti, on fait un peu de musique. C'est le moment plaisir. Ok. Bah voilà, on a rien. Putain, c'est pas vrai. Ok. Très très... Ah, 1, 2. Ok. Ok. C'est fort embêtant. What? Ça c'est très très chiant, tous ces allers-retours les gars. Ok. Oh. Oh beau. Oh beau. C'est très très beau ça. C'est très très bon et c'est très très beau. Bon, on est à la touche supplémentaire. Attends. Non frère, non, non, non. Ça sert à rien que j'aille tout de suite récupérer le Uzi. Ça sert strictement à rien, il est juste derrière moi. Douche, descendre, salle des casiers. Ok, là ça me plaît. Là ça me plaît. Douche, descendre, salle des casiers. Hop, bonjour mesdames et messieurs. Il arrive, hein. Oh, il est terrible, hein. Et là t'imagines, il arrive devant moi, gros. Ça serait pas incroyable? Ça serait pas incroyable à quel point je me fous en l'air? Ok. Oh putain. Vous les avez vus. Vous les avez vus. Allez! Ah non! Non! Le retour dans la fameuse pièce! C'est terrible! C'est terrible! Ah! On va pouvoir développer une pellicule. Tant que le monsieur s'en aille. Très bien. Elle est où? En vrai, les gars, ça, hop, on peut le déposer. On va débloquer une petite pellicule des familles. On a des munitions de pistolet mitrailleur, c'est plutôt bon. On va le débloquer de suite. Hop, voilà. Ouais, je suppose que c'est pour... attendez. Oh, putain. Troisième DCM. DCM 3F. Alors, direction de troisième étage. Ici. Ok, bibliothèque, tour de l'horloge. Ça coïncide. Ok, cric, bibliothèque, tour de l'horloge et... ok. Bon, c'est juste derrière moi finalement, parce que là, je suis pas très loin. D'accord, 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 d'accord. Pourquoi pas? Je regarde mon inventaire et bah, je me dis que en fait, bah, je suis dans la merde en fait. Je suis totalement dans la merde. Faut partir, monsieur. Hein. On va pas trop se montrer. Faut partir. Ça sert à rien. Allez, hein. C'est bon. C'est bon, je crois qu'il est parti. Je crois qu'il est calmement parti. Allez, on y va. Ok. Normalement il est parti. Ok. Oh putain. Très bien, bon, salut, j'espère que vous allez bien. Allez, on pose ça là, au calme. Attends, 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 putain, mais ouais, mais... je sais qu'il y a lui... Non, pas du tout. Je sais que c'est, hop, lui. Voilà. Il y avait le 102. C'était quoi le plus intéressant, là, vite fait, là, attendez. C'était le 203. 203, 203. Voilà.
ça c'est fait. Deux places supplémentaires. 208, on fait vite, hein. On fait un tour très très vite. Quoi? C'est quoi ça? Sa mère. 208, il est juste derrière. Ok. Ok. Bon. Eh bien, mes chers amis. Ça va, frère? What? T'énerve pas comme ça? Ok. Oh, faut que j'aille aux archives. Oh, faut que j'aille aux archives. Il faut que j'aille aux archives. Il va me dézinguer là-dedans. Allez, clic, c'est fait. Ok. C'est fait. Ça. On jette. Ah! Oh, je rigole, frère. Arrête. Stop. Grenade, hein. Grenade. Ok, cric, c'est fait. Oh, la vache. Allez, pas de liqueur, s'il vous plaît, pas de liqueur. Troisième étage, hein, faut que j'aille, hein. Ok. Non, Marvin. Ok. Troisième étage. Allez, les gars. Marvin. Désolé, Marvin, t'as pris ta part, c'est mérité, hein. Personne t'aimait, frérot, hein, faut que je te le dise. Arrête, il court trop vite. J'ai peur. Ok, stop. Allez. Ok. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh, catastrophe. Yo. Oh la vache. C'est pas bon pour la tension. C'est pas bon pour la tension. On va faire ça en express. Oh putain. Ok. On va pouvoir passer par ici calmement. Pardon. Ah. Oh putain. Par là. Ah, bon jet de réparation. Horloge ouest du commissariat. En raison de la grande valeur culturelle de la cloche, j'appelle un spécialiste pour les réparations. On verra les détails quand il sera sur place. Mais en attendant, je vais sécuriser la cloche pour éviter un accident. Ouais, là. Mais oui, c'est clair. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Ça c'est fait. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour les hirondelles. On y a de la joie. Y'a quoi par ici? Mon petit frérot. Oh. Non mais les gars, ok. Franchement, je vous le dis très honnêtement. Voilà. Ok, 26 balles. Ça me paraît être un indispensable. Troisième étage, hein, aussi, hein, les gars. Un casier. Hein. Ok. Ça, c'est fait. Non, faut qu'il parte. Attends, il va pas venir. Il va pas venir. Il peut pas venir. Ok, on va récupérer le petit rouage, évidemment. Très, très bien.
Ensuite, là, on va mettre le grand rouage. On a fait refonctionner l'horloge. On va pouvoir remettre le petit rouage en bas. Et normalement, c'est fait. Comme disait oncle Jackie, emballer, c'est peser, évidemment. Allez, fais-moi arriver. Ok, c'est fait. Marché. Ouais. Sois peut-être un peu plus heureuse dans ta vie. Très très bien, très très bien. Troisième étage, ok. Ok. On est à l'étage où il y a le cadenas. Impossible qu'il passe par là. Enfin, je crois. Examiner. Ok. Deuxième, c'est fait. Je crois qu'il y en avait que deux. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Hall principal. Et là, on a une porte verrouillée qu'on va pouvoir déverrouiller sans aucun souci. Ah ! Salut ! Salut, salut. Comment vas-tu ? Moi, ça va très bien. J'espère que tu poses un like à la vidéo, mon frérot, hein ? Parce que toi et moi, depuis tout à l'heure, on a l'air de beaucoup se courir après, hein ? T'es amoureux, c'est ça ? What ? What? Comment il court vite? Oh, ça m'épate, hein! Oh, il va très très vite! Putain, il est déjà là! Ok! Ok, on a le bureau du chef. Qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fiche là? Impossible qu'il passe. Impossible qu'il passe. Ok. Bon, j'ai une petite blessure. Rien de fou, rien de folichon. Mais quand même, on va save déjà pour commencer. Et on a récupéré, je crois qu'il en fallait deux. Hein. Mais attendez, mais je peux vérifier tout de suite. Incroyable, regardez. Je peux totalement vérifier tout de suite. Il est où le dernier? Il est là. Ok, on avait besoin de quoi là finalement? J'avais aussi besoin de récupérer au PC de l'autre côté. Donc il faut que je passe hall principal. Il faut que je passe bibliothèque, boum, salon. Je passe par ici et le bureau des stars. J'ai dû y passer en express tout à l'heure. Et ensuite on va là et on va au troisième étage et c'est banco. Oh, je me souviens plus du mot de passe. DCM, je crois. C'est DCM. C'est Devil May Cry, mais pas du tout à l'endroit. Ok, très bien. Très, très bien. On y va. Normalement, on va pouvoir réussir à ouvrir de l'autre côté. Je crois que c'était deux, hein. Allez, c'est parti. Moment de réflexion. Voilà, c'était deux. Bon. Ok. C'est fort embêtant. Ok. Ça me paraît pas mal. Ok. Eh, impeccable les gars. Impeccable. Moi ça me va très très bien comme ceci. Tout ça pourquoi? Pour le badge. Allô? Content de te revoir, Claire. On a une affaire à régler, toi et moi. What? Comment ça, on a aucune affaire, frère? Où ça? Dans le quartier. Tu le trouveras. Chérie, va bien? Pour l'instant. Espèce d'ordure, si tu lui fais du mal... Thank you.
Sale mioche. Si tu ne l'avais pas laissé tomber ce truc, j'aurais pu te libérer. T'inquiète pas, chérie. Tout ça sera bientôt fini. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Oh, what? Échapper au chef Irons. What? Je joue avec Chéri. Quoi? Mais pourquoi faire? Poupée en chiffon sale. Forcément un bail, non? Bah oui, mon pote. Qu'est-ce que c'est? Du C4, hein? Non, pas du tout. Un vieux cube. Ok. What? J'étais clairement pas prêt à ça. Ok, il y a quelque chose à faire pour ce carton. C'est juste du scotch, hein, frère, hein? Hop, utiliser. Attends. Ah, d'accord. Je commence à comprendre. Non, pas du tout. Ah, je fous de la gueule. Voilà, je commence à comprendre. Fais-moi les marioles, hein. Ok. D'accord. J'ai compris. Ok. Là, c'est un reste d'étoile. Voilà. Non, vous foutez de ma gueule, les gars. C'est quoi cette énigme pour des ciseaux? La meuf, elle fait un truc, bac plus 12, gros. Pour une paire de ciseaux, hein. Attends, je peux pour le fun aller là-haut? Non, pas du tout. Ok, donc on va passer par là. Bon, évidemment, c'est chérie, elle va pas utiliser d'armes parce qu'elle ne peut pas, elle n'en a pas. C'est parti. C'est quoi cet endroit? J'en ai aucune fichue idée. Ah bah si, c'était là où il était. Oh non, ça va être complexe. Aïe aïe aïe. Est-ce que je peux ouvrir pour faire genre? Ah non, c'est carrément, ils y ont pensé, hein. C'est du fil, hein. Ok. Là, je ne peux pas. On a un livre. Journal de Sally, 4 janvier. Les mercredis sont trop bien parce qu'on a un goûter et une glace. Je détestais là où j'étais avant. Les profs étaient méchants. On faisait que travailler, travailler encore et on n'avait pas de glace. J'adore cet endroit. 10 janvier, il y a une nouvelle règle importante aujourd'hui. Tout le monde doit écrire un journal. Aller voir le docteur et on n'a plus le droit de sortir tout seul. Du coup, j'ai plus envie d'aller à l'école. J'ai pas envie que quelqu'un se moque de mes habits. Surtout pas le garçon qui les avait avant. 16 janvier, le directeur de l'orphelinat va venir aujourd'hui. Alors, je vais porter ma tenue préférée, celle à carreaux bleus. Le directeur est grand, le directeur a une moustache et le directeur est policier. Ah bah oui, mais ok. Et le directeur est donc, bien évidemment, notre ami de la police. Très très bien. Fort problématique, cette petite histoire. On va passer par là. Je sais plus si on jouait Chéri dans la version PS1. Pas le souvenir. Quoique. Ok. Normalement, ça devrait pas être trop violent. Étant donné que... on incarne quand même un enfant, je pense pas qu'il ait été dans le hardcore. Ok. Ah ouais, là, il y a de quoi tourner, là, les gars. Là, il y a de quoi tourner. Très bien. Oh. Ok. Attends, parce qu'il y a ici, mais il y a aussi de l'autre côté. Alors ça, c'est fort problématique. C'est stylé, par contre. Donc, c'est l'orphelinat. Ok, je croyais que... putain, je fais les mêmes bruits de pas que Mister X, quoi. Ah, très bien. Oh, je peux passer en dessous, même ça, trop bien. Ok. On y va, on y va. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va y aller avec Claire? Ça serait ouf. Je peux peut-être sortir par cette porte. Non. Mauvaise idée. Mais oui. Mais oui, il me faut la clé. Mince, il me faut la clé. Ben oui, chérie, ben alors, ma grande. Ok. Journal de Tom. 5 février. Ça fait 2 mois que j'ai envoyé cette lettre à Oliver, et toujours pas de réponse.
De toute façon, c'est toujours pareil quand ils sont adoptés. Je parie qu'il vit comme un prince dans une belle maison et qu'il nous a oubliés. Je croyais qu'Oliver était différent, qu'il serait toujours mon ami. Je suis stupide. 8 février, Anne a rassemblé tous les petits et leur a raconté une histoire. Elle leur a dit que tous les enfants qui sont adoptés finissent en pâté pour les croque-mitaines. C'est pour ça qu'on n'en entend plus jamais parler. Je sais pas où elle trouve ses idées, mais elle devrait écrire des livres d'horreur. 13 février, il se passe un truc bizarre ici. Ce n'est pas juste à cause des histoires d'Anne. J'étais dans des endroits pires qu'ici, et l'orphelinat est financé par une grosse marque de médoc. Mais pourquoi on ne peut pas appeler quelqu'un ou sortir? Pourquoi il y a tant de docteurs? C'est quoi ces piqûres? On dirait qu'on est... 14 février, je vais être adopté. Moi, la plupart des gens veulent des petits. Alors, je pensais que j'étais trop vieux. Mais je dois avouer que je suis plutôt content. Il faut être honnête. Je dirai adios à cet endroit le 20. Je ferai de mon mieux pour être un bon fils, dont mes nouveaux parents pourront être fiers. 19 février, Oliver est revenu au milieu de la nuit, en sale état. Il criait au secours et tout. Je l'ai même pas reconnu. Au début, son visage était comme fondu. Il est avec les profs et les docteurs. Ils disent que c'est qu'un problème de peau. Il ira bientôt mieux et on pourra partir à l'aventure ensemble comme avant. Ouais, la peau qui fond, c'est rarement... Ouais, je connais bien, hein, 3 mg d'encéphaline, 12 mg d'épinéphrine. Ok. Ok. Oh non, c'est lui. C'est qui lui? Ok. On va lire ça très très vite. Journal 2. Si vous lisez ça, appelez la police. Les croque-mitaines sont là. Ils mangent tout le monde. Il y a plein de croque-mitaines. Au secours, il arrive. Aide-moi, maman. Oh putain, c'est le taxidermiste. Qui était grave pote avec le policier, non? Oh bordel. J'avais raison. Et on va s'arrêter là, les gars. On va s'arrêter là. Je sais que vous voulez la suite. Mais il est temps de s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cet épisode 6 vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.